Un des responsables de l'Union sociale qui a effectué ce journée de don de sang. Voilà, pouvez-vous. Sociale, qui est une branche de l'Église universelle, a pris cette initiative avec la collaboration de la directrice de la synthèse. Parce que comme nous sommes des partenaires depuis 2001, vu la nécessité qui existait actuellement, elle nous a contactés et nous a fait part de la situation du banque de sang. Alors, ils nous ont fait comprendre que seule l'Union sociale peut les aider à passer cette étape de manque de poche. Raison pour laquelle l'Union sociale s'est mobilisée dans le territoire national, ici à Dakar, à Saint-Louis, à Thiès et à Julien-Chor, en France, 100 poches ou 1000 poches de sang dans le territoire national. Ici seulement à Dakar, nous sommes venus plus ou moins avec 400 donneurs qui sont là déjà, comme vous le voyez derrière, afin de pouvoir vraiment subvenir aux besoins de ceux qui en ce moment sont en nécessité. Parce que nous savons qu'il y a aussi le Ramadan et il y a plusieurs cas qui ont besoin d'aide. Personnellement, aujourd'hui, je peux dire que j'ai appris quelque chose de nouveau. Parce que pour moi, donner le sang pouvait sauver une vie. Mais aujourd'hui, la directrice vient de m'éclaircir qu'en fait, les poches de sang qu'on peut donner peuvent sauver 3 à 4 personnes. En face de la terre. Raison pour laquelle c'est un geste que l'Union sociale, ça fait déjà un bon moment que nous le faisons. Il y a 4 mois derrière, nous étions venus ici donner le sang. Le mois d'avril passé, nous étions dans d'autres situations aussi, en Bebes. Nous avons fait là-bas les dons aux habitants qui vivent à la décharge. En fait, l'Union sociale, c'est ça notre mission, donner de la bouffe que nous avons reçue de notre Seigneur. Comme je l'ai dit tantôt, actuellement à Saint-Louis, il y a nos confrères qui sont là-bas en train de donner le sang. Il y a aussi à Thiès, il y a à Tambacounda, parce que les autres régions, le mois passé, nous avons déjà donné. Vu que le don, on peut donner seulement 3 à 4 mois après, raison pour laquelle dans tous ces territoires que je viens de dire, nous sommes en train de venir en aide en collaboration aussi avec le Banque de sang. En fait, si vous avez vu la majeure partie de ceux que nous avons mobilisés l'Union sociale, il y a des jeunes. Parce que nous avons compris que les jeunes sont la force qui peut contribuer à aider cela. Par exemple, plus ou moins, nous avons 300 quelques jeunes. Pour passer le message aux autres jeunes qui vont voir pour ces vidéos, qui vont avoir de ces informations, à venir aussi donner de leur sang, afin que réellement la banque de sang puisse être aidée. Parce que la directrice nous disait tout à l'heure que chaque jour, la banque, 24 heures sur 24, les ambulances viennent chercher du sang. Et s'ils viennent chercher du sang et qu'il n'y a pas de sang suffisant, il y aura des cas graves.